la 4, pose maintenant le circuit là-bas pour regarder. Voilà. Il faut dézoomer ou bien voir. Ou bien qui diminue l'éclairage. Ça c'est déchargé. Monsieur Léon, il y a un chargeur là-bas. Est-ce que tu as fait le rebalé? Tu as fini. Maintenant pose-le. Ta main doit être sur la table. Enlève le fer à air chaud. Enlève, voilà. Ramène-le. Ramène ça d'abord. Ramène ça à la dépose. Dépose ça. Dépose le pistolet d'abord. Pour souder, il faut que tu dégages et que ta main soit sur la table comme ça. Comme ça, tu ne trembles pas, tu ne vas pas bouger. Tu vois un peu. Donc, quand tu as ça, ça te permet de... Sinon, si tu es comme ça, ça va bouger. Maintenant, si tu places ton composant, c'est lui-là, non? Mm-hmm. Quand tu vas le placer, quand tu le places maintenant, utilise d'abord la main droite pour le caler. Ou bien, tu fais ça. Tu vois, avant de souffler. Et souffle toujours dessus. Parce que quand tu souffles sur le côté, tu risques de faire des dégâts comme ça. C'est-à-dire que tu souffles au moins au point où tu bouges tous les composants qui sont sur l'autre côté. Donc, bloque-le d'abord et tu souffles directement dessus du composant. Voilà. Et ça, c'est juste 1 à 2 minutes seulement. Le temps que ça colle et tu l'enlèves. Il n'y a pas de chargeur là-bas. Alors ici tu n'as pas, bon comme c'est un début c'est pourquoi, hein, mais tu vois les dégâts, il y a des dégâts et ça c'est pas bon. Bon c'est un début, du moment où tu vas finir avec, après le rebalin avec là ici, normalement ça doit aller. Hein? Maintenant bouge le circuit d'abord pour voir, bouge-le, prends le pour voir si tu l'as bien soudé. Prends le circuit intégré avec la pince, prends-le, essaie de prendre pour voir si tu as bien soudé. Il est soudé. Maintenant, tu utilises maintenant l'IPA maintenant pour nettoyer. Prends l'IPA, non, l'IPA, la solution, le liquide. Tu vas nettoyer d'abord. Brosse. Maintenant, tu nettoies tout autour de la carte d'abord pour que le flux puisse partir. Encore. Vas-y, nettoie bien. Ça, tu caresses la carte. Il faut le nettoyer parce qu'on voit encore le flux dessus. Il faut bien le nettoyer. Après, tu le sèches. Normalement, il faut avoir maintenant du coton-tige. Et c'est le coton-tige maintenant qui va te permettre d'enlever, voilà, d'enlever ça. Je vois un peu. Alors, quand tu finis comme ça, normalement, tu peux utiliser maintenant de l'étain soluble. Dans le carton, là, normalement, il y avait ça. La petite boîte. Je pense que c'est dans mon bureau, là. Tu souffles légèrement. Tu vas souffler légèrement. Et puis la tête là, elle est grosse. Hein? Elle est trop grosse. Lui là, je ne pense pas qu'il doit utiliser le microscope. Hein? Parce que lui, c'est un gars qui n'aime pas ça. Souffle, 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 souffle vite, 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 vite. Voilà. Tu souffles vite, 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 vite. Tu souffres, ramène ça. Ça c'est trop gros. Ça c'est trop gros. Bouge le. Prends le truc. Prends le. Voilà. Tu étales ça. Non, tu n'étales pas. Il ne le fait pas. Il est en train de s'amuser sur lui.
Maintenant, il faut nettoyer avec l'IPA d'abord. Prends la solution IPA, tu vas nettoyer. Brosse. Nettoie bien, il faut nettoyer avec force pour que le flux puisse partir. Après, si tu vois qu'il y a les boules, tu vas les enlever. Parce que tu l'as attrapé de plus proche de toi.